Salut les bricoleurs, bonjour. Un deuxième truc et astuce pour la chaîne L'Atelier Cave. Je vous rassure, on va pas faire de la confiture, mais presque. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment on peut gagner beaucoup d'espace dans son atelier grâce à ces petits pots de confiture de récupération. On pourra y placer clous, vis, etc. Ce genre de petits accessoires bien utiles dans nos ateliers. Alors, je vais pas vous donner une raison. Je ne vais pas vous donner deux raisons. Je ne vais pas vous donner trois raisons. Je ne vais pas vous donner 15 raisons. Pourquoi je dis 15, moi? Je vais vous donner 5 bonnes raisons d'utiliser ça. On voit ensemble comment on réalise ça. C'est très simple, pas de panique. Pour réaliser ce petit projet, nous aurons besoin de quelques pots de confiture de récupération. Ces confitures Bonne Maman, c'est parfait. Les pots sont hyper solides, sont très solides. On aura besoin d'une volige, une planche de 19 mm ou 20 mm, ce que vous avez sous la main. Une planche de récup convient très bien. On aura besoin également de quelques vis, bien entendu pas plus grandes que l'épaisseur de la planche. On aura besoin de quelques chevilles à clouer. On peut utiliser aussi des tire-fonds avec chevilles, etc. Ça n'a pas trop d'importance. On aura besoin d'une visseuse, on aura besoin d'un perforateur et à peu près un petit marqueur peut-être, et ce sera tout. Il faudra une mèche, bien sûr. Eh bien voilà, je vous parlais tout à l'heure de 5 bonnes raisons d'utiliser ce système. La première, c'est vous avez tout à vue. C'est très facile de retrouver ce qu'on cherche. Deuxième bonne raison, tous vos matériaux sont protégés de la poussière. Troisième bonne raison, c'est aussi protégé de l'humidité puisque c'est hermétique. Quatrième bonne raison, vous gagnez une place inestimable dans vos ateliers qui, au bout d'un moment, on se trouve toujours à l'étroit. Aussi grand soit-il, on est toujours à l'étroit. Bien sûr, il ne faut pas que le plafond soit à 4 mètres, sinon ça ne marche pas. Cinquième bonne raison, vous participez à la sauvegarde de la planète en utilisant le recyclage. Voilà, c'est terminé pour cette fois. J'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça serait toujours sympa. Vous abonner si vous voulez suivre l'information. Ça devient presque une tradition maintenant. Après le générique, dans les trucs et astuces, il y a la minute culturelle, ne la ratez pas. Ciao.
Voici le moment de la minute culturelle. Pierre Roche-Bayard, le connaissez-vous? Eh bien, voyez-vous, c'est lui qui a designé en fait le couvercle des confitures Bonne Maman. Depuis 1971, ça reste le même couvercle. Il a aussi inventé le système de peau hermétique. Donc c'était pas n'importe qui, ce garçon. Petite anecdote aussi, sur l'étiquette, c'est écrit avec une écriture cursive. Les premiers pots ont été faits à la main. Et bien jusqu'à la fin de sa vie, il a gardé la plume de lycéen qu'il utilisait pour créer les premiers pots. Depuis lors, il faut savoir quand même que la firme a produit 350 millions de pots de confiture. Et ça représente 35% du marché français. Il est malheureusement décédé le 25 février 2017. Il a terminé ses jours en Dordogne, à Bergerac. Voilà, c'était la minute culturelle.